me mise en bolelo pona lokumu na yo papa yo mérite yango likolo yo fandi na yo olinga kama sanjo li na ngai ebutwa bipai ozali papa likolo yo fandi na yo olinga kama sanjo li na ngai ebutwa bipai ozali olandenge Kindo ke si linguya, solo ke si langala, ni boso na pate na zambe. Mama Yahweh, papa, ba magicien basili lolendo, ba marabu basili linguya, ni boso na mwana na zambe. Mama Yahweh, oh mon Dieu. Magicien Basili Lolendo Kindoki na bango esilingu ya Iliboso na mwana na zambe Oh mon Dieu Quand tu dis la chose arrive Quand tu ordonnes elle existe Ninye yo kayo eto sate Hey papa nanga kumama ya Capoto y envío On y va. Mingi na sida, a casa
yo alimisa ba miom na ba fibro acha boule ba na mai e moto bena ka yem ba non jile asoma kana simate elombe elombe ali botanana yesu elombe tawe amo moinaga yesu elombe o senhor bogota bonanda yi oroba tout est accompli o meme na mi kumba yaya o siri soba soni nanga e o meme na ngabo tutu nanga o siri soba soni nanga e libeso ya maka mwele kena nga makasi ya meme na nga yelonga toke atana kufaki na oko sepa mwona yesu gelove oko ututu kutu parce que nous savons, nous croyons et nous pouvons le déclarer, le proclamer, c'est lui le victorieux. Amen. Et il a fait de nous des plus que vainqueurs. Amen. Il a tout vaincu à la croix de Golgotha, mesdames et messieurs. Shalom et bienvenue. Je sais que vous êtes dans la joie parce que ça fait énormément longtemps que les pasteurs Mike Kalambay ainsi que tout le groupe Shekinah Music sont passés donc dans ta grandeur. Alors nous sommes bénis et j'ose croire que c'est le cas également pour vous, chez vous à la maison. Voilà pourquoi Maman Dorcas va vous demander de vous installer confortablement. Prenez vos Bibles parce que nous allons rester dans la parole. Nous sommes en vie, nous respirons et nous sommes décidés finalement de le louer, de l'acclamer. Est-ce que mon tout le monde na lingala na français te mololo. Ah, il est vivant. Pasteur Mike. Yes, maman.
Elombe. Quand on est bandé le botoki. Non, tu comprends maintenant katikatité. Non, c'est pour Elombe tout ça. Je crois que même les mouvements du corps, le Seigneur aime ça. Nos acclamations sont une offrande d'acclamation, plutôt d'adoration au Seigneur. Je crois que même notre sueur en est quelque chose pour le Seigneur également. Ah, ça c'est bien. Ça Amen. C'est bien. Quelqu'un dit à la maison, ben, je ne comprends rien, pourquoi ils sont dans la joie. Oh, l'occasion vous serait également donnée tout au long de ce programme, de ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Le pasteur Mike, à un moment donné, va vous aider également à faire votre entrée dans cette grande famille des enfants de Dieu. C'est le but même principal de cette émission Ta Grandeur. C'est de dépeupler les camps de l'ennemi pour peupler les camps de Dieu. N'est-ce pas? Nous sommes là pour gagner ne fût-ce qu'une seule âme. Et aujourd'hui, je suis sûre et certaine du plus profond de mon cœur qu'il y aura une fête qui sera organisée au ciel pour une âme qui sera sauvée. Et nous parlons des bénéfices de la Pâque, les bénéfices de la Pâque, les retombées, les avantages, je ne sais pas comment vous allez appeler ça, mais moi je me limite à dire les bénéfices. Qu'est-ce que nous gagnons avec la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Mais avant d'en arriver là, pasteur Mike, yes, maman. Moi je ne sais plus compter, ça fait combien d'années que vous n'êtes plus passé dans ce programme? C'est quoi le problème? C'est nous le problème ou c'est vous le problème? Apparemment, je crois que la responsabilité elle doit être partagée quand même, de la façon la plus naturelle que peuvent aller les choses. Je crois que la responsabilité est partagée, mais écoutez, je ne vais pas mettre ça sur le dos de maman, Dorcas, bien sûr, avec toute l'équipe de ta grandeur. Mm-hmm. Mais je crois que tout est question de temps, et comme Dieu fait toutes bonnes choses en son temps, okay. C'était ce moment justement qui était dans l'agenda du Seigneur. Mm-hmm. Et voilà qu'on t'a marqué, le Seigneur l'a rendu possible. Nous voici en face de maman Dorcas pour les comptes de ta grandeur. Amen. Moi également. Parce que nous parlerons également de Dieu en toutes circonstances, qui est le nouvel album de notre pasteur Mike Kalambay. Je tiens à signaler qu'il est le visionnaire, le pasteur responsable de l'Église dans sa présence. Vers la fin, on aura le temps d'en parler aussi. Parmi toutes les fêtes chrétiennes, moi je me suis rendu compte, je ne sais pas si c'est le cas également pour vous, que la Pâque, mais c'est vraiment notre fête. Elle est la fête, c'est la fête la plus importante que le reste. Pourquoi? Voilà, merci beaucoup, Maman Dorcas. Je sais que la Bible fait plusieurs mentions de plusieurs fêtes comme ça. On parle de la fête de Moisson, on parle de la fête de la Pentecôte. Tout ça sont des fêtes dans la Bible et plusieurs autres. Mais je crois que pour ce qui est de la Pâque, comme vous l'avez dit, c'est la plus grande fête. Je suis vraiment d'avis avec vous. Mais je crois que la Pâque est au-delà d'être une fête seulement de chrétiens, comme beaucoup le présentent et le pensent également. Parce qu'il faudra comprendre une chose, c'est qu'au travers de la Pâque, il a plu au Seigneur d'arrêter les cours des choses pour inaugurer et même changer l'ordre du jour. Je m'explique. C'est-à-dire, par la Pâque, le Seigneur a arrêté même les aiguilles du compteur pour les ramener à zéro. Ok. Oui, vous savez pourquoi je dis ça? C'est tout simplement parce que si les choses, Maman Dorcas, pouvaient continuer à se passer comme elles s'est passées avant la Pâque, c'est-à-dire, nous ici, on n'aurait pas accès au Père et par conséquent, on n'aurait même pas accès au royaume de son Fils. Il lui fallait que la Pâque vienne pour que moi et toi aujourd'hui, nous soyons enfants de Dieu et que nous puissions même prétendre être serviteurs et servants de Dieu. Et tout ça, c'est au travers de la Pâque. Et c'est comme cela que je suis en train de dire, si elle doit être une fête, alors c'est une fête de l'humanité. Okay. Parce qu'en fait, Jésus n'est pas seulement venu pour les Juifs, Jésus est venu pour nous tous. Rappelez-vous que le salut était d'abord pour les Juifs et même exclusivement pour les Juifs. Je peux même aller plus loin pour vous dire que c'est la Pâque qui engendre même Jean 3,16. Okay. Ah oui, okay. La Pâque engendrait Jean 3,16. Okay. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque... Cette fois-ci-là, on ne parle pas des Juifs. Non. On parle de quiconque. C'est-à-dire, tout celui qui autrefois n'avait pas accès, tout celui qui autrefois... ne pouvait même pas s'approcher, justement quand on va rentrer dans les retombées, je pense qu'on pourra en creuser un peu plus, cette fois-ci-là a droit maintenant, à partir plutôt de sa foi, au moyen de sa foi.
afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est ça même la Pâque. Alors si elle doit être considérée comme une fête, en tout cas je pense que c'est un fait historique, mais le plus important, le plus fort que l'humanité ait connu. La Pâque. La Pâque. La Pâque. Alors, y a-t-il, est-ce qu'il existe une différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne? Si oui, quelle est cette différence? Bon, je sais que il n'y a pas tellement de différences, il ne peut pas y avoir de différences, mais je sais, tout ce que je sais, c'est que nos frères juifs, ont, certains pour la plupart, ont une manière de voir les choses. Mm. Pour eux, ils vous diront que les messies là, ils continuent à l'attendre. Et même quand il sera venu, ils vont continuer à l'attendre. Mm. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils sont à la fois l'horloge, comme c'est démontré au travers de la Bible, mais ils sont un peu en retard par rapport à beaucoup à un certain nombre de choses. Je crois qu'ils croient au Messie. Nous également, nous croyons au Messie. Il n'y a pas tellement de différence. À partir du moment où c'est la seule personne qui est morte, cette seule personne, bien sûr, leur frère au départ, est devenu aujourd'hui l'aîné de toute la famille. C'est-à-dire le premier d'entre tous les frères. Il est parti d'être leur frère, il est devenu notre frère et même notre ami. C'est notre père, il est mort, c'est un seul qui est mort. Après Jésus, il n'y en aura pas d'autre, maman Dorcas. Jésus est notre Pâque. C'est-à-dire après Jésus, il n'y en a pas un autre. Même avant lui, il n'y en a pas eu, après lui, il n'y en aura pas. Okay. C'est-à-dire que le seul qui est mort, c'est lui-là notre Pâque. Voilà. Le seul avant, parce que je tiens à signaler ici, nous recevons le pasteur Mike Alambay sous ces deux casquettes, parce qu'il en a plusieurs, mais ici, nous allons utiliser seulement ces deux casquettes. Il va nous exhorter, il le fait déjà, mais il va également chanter, parce que c'est aussi un adorateur. Alors, lorsque vous dites, c'est cette fête, Jésus-Christ, c'est notre Pâque. Jésus-Christ, il est mort à la croix, c'est pour nous tous. Hier, il était l'aîné d'une, je vais le dire comme ça, une catégorie de personnes, justement. Mais aujourd'hui, c'est l'aîné de tous. Même pour nous, les Noirs. Justement, même pour nous, les Noirs, la Bible parle... Même pour la peau jaune. Justement, on parle de quiconque, on a vu ça tout à l'heure. On ne parle pas d'une catégorie de personnes, on parle enfin de quiconque. J'étais en train de dire que la Pâque, c'est comme ça qu'il faut vraiment vite élaguer cette histoire de nos esprits enfants de Dieu, de regarder la Pâque que comme cette simple fête chrétienne. Parce qu'on doit se dire qu'il y en a, ils sont nombreux, qui ne sont pas encore chrétiens. Est-ce pour autant Jésus n'a pas versé le sang pour eux? Il a versé le sang pour eux. C'est comme ça que je suis en train de dire, c'est un fait historique. Okay. C'est un autre tournant du monde, de l'histoire des faits du monde. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que le sacrifice de Jésus n'a pas de couleur. Le sacrifice de Jésus n'a pas n'a pas une catégorie de personnes qui a accès à ça et d'autres n'en ont pas. Pas du tout. C'est-à-dire Jésus est mort sur la croix et pour les peaux noires comme nous, il est mort sur la croix pour les blancs, pour les peaux jaunes et tout ce que vous voulez. Ah, toi qui ne crois pas encore, toi qui dis Azeb, Mindele, Azeb. Non. N'est-ce pas? Il est mort à la croix. Et vous l'aviez dit ici, que l'œuvre de la croix ne reviendra plus deux fois. Il n'y aura pas un autre Messie qui viendra. Mais je vais quand même, je sais que ça c'est une parenthèse que j'ouvre rapidement. Il y a une loi, si je ne me trompe pas, qui vient d'être promulguée en Israël, où on interdit même aux gens de dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Quel est votre point de vue, pasteur Mike? Non, vous savez, maman Dorcas, il y a une vérité, c'est que les philosophies humaines ne peuvent pas changer la volonté de Dieu exprimée au travers de sa parole. Okay. Est-ce parce que les gens se sont réunis quelque part et ont dégagé une pensée que cela devient une volonté absolue? Je ne pense pas. Je crois qu'il n'y a pas de volonté qui soit au-dessus de celle divine, de celle du Seigneur. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils peuvent vouloir. Mais attendez, à partir du moment où la Bible le dit clairement, Jésus vient sur terre comme le Fils de Dieu, mais c'est lui-même Dieu, vous voyez. Ce n'est pas parce qu'en Israël, on va nous interdire de le dire que nous également, nous allons emboîter les pas. Ça ne regarde que eux, mais nous, tout ce que nous savons, c'est que Jésus
et le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est le Seigneur, il est Dieu lui-même. Et c'est au travers de Jésus, justement, que nous avons le salut. Car nul ne vient au Père que par Jésus. Et c'est comme cela même qu'il dira, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est-à-dire, quelle est cette autre vérité qui peut être au-dessus de Jésus? Quel est ce chemin qui peut être au-dessus de Jésus? Quelle est cette autre vérité? Ça fait comme ça que l'apôtre Paul dira, il dira, mais même s'il y a un ange du ciel qui vienne et qui vous dise autre chose que ce que nous, nous vous avons présenté ici, il est maudit qu'il soit anathème. C'est-à-dire que même nos amis qui sont en Israël, bah gardez bah entraînement à Bango parce que ils peuvent être maudits, quoi. Je vais choisir hein, aujourd'hui vraiment, je ne demande pas votre autorisation, vu que j'ai mon album entre mes mains, donc moi-même je vais regarder les différents titres et je vais en choisir. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis très d'accord avec vous. Ça sera une façon aussi, hein, mesdames et messieurs, de faire passer un examen au pasteur Mike. Peut-être qu'au studio, ils ont travaillé la voix hein, avec le studio des Madja. Vous avez vu comment il y a c'est bien équipé. Peut-être qu'ils ont bien travaillé la voix, mais là, nous sommes en direct. C'est vraiment le live. Alors, nous allons ensemble comprendre si c'est vraiment lui qui a chanté là-bas. Alors, je vais prendre... je prends Moyo Kilosam. Ah, OK. C'est quand même également un de mes coups de cœur. Merci. OK. Nous écoutons Moyo Kilosambo et juste après, nous allons parler de l'impact de la Pâque dans notre vie ou encore les bénéfices. Qu'est-ce que nous gagnons avec la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Olobaki na ngai na senga yo yonde okopesa ngai Olobaki na ngai na luka yo papa okomimonisa Olobaki na ngai bilaka na yo ekokokisama mpona ngai Osa moyo kilosambo Yonde mofuti malamu Awana ye koluka yo Shilo ya nola namona Osa moyo kilosambo Yonde mofuti malamu Awana ye Apoye binyoso abombelo nini awana ye koluka yo nalosambo na ngai mona nde motema o ezota lela yo shilo ye binyoso nabombelo nini awana ye koluka yo nalosambo na ngai Ya lelo mona motema o ezo luka yo ye Nalo sambo na ngai, o
Zambe ya bomwa
kobanda lolenge nini opimelanga lola ekobanda ndenge nini opimelanga bomoye Ce que Pimelanga Yesu te, ce que Pimelanga Yesu te, ce que Pepe Sanga Yesu, Nine Kosanga yo, Opiaga Yinyoso, Elongona Yesu Nanga, Oh lelelelelelele, Lui qui n'a pas épargné son fils. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Ah 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 ah. Et Kobanda Nengeni, aussi misanga touche. Awa na ya awa, oluka yo. Dieu est fidèle, Dieu est amour. Amen. Le bénéfice de la Pâque avec le pasteur Mike Kalambay, le pasteur responsable de l'Église, dans sa présence. L'auteur, compositeur de l'album « Dieu en toutes circonstances ». On ne parlera que de cet album aussi. Il y en a eu plusieurs. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue de nous faire du bien, de nous bénir. Pasteur Mike Kalambay. Yes, maman. Qu'est-ce que moi, Dorcas Kapinga, je gagne avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ? Vraiment. Il est mort. Mmh. C'est lui-même qui a décidé. Vraiment. Moi, oh, là, j'aime ça. Moi, c'est là, je ne l'ai pas demandé. Hein. En tout cas, je n'avais pas écrit une lettre. Oh, Jésus, tu vois. C'est lui-même. Amen. Qu'est-ce que je gagne avec ça? Merci beaucoup, maman Dorcas. Déjà... Ce qu'il faut retenir, je sais qu'on peut comme ça donner plusieurs définitions à la Pâque, mais s'il faudra le dire en une petite phrase, je dirais déjà d'entrée de jeu que la Pâque, c'est une nouvelle vie par la mort et la résurrection. J'aime beaucoup déjà le fait que, déjà depuis votre introduction et même tout à l'heure, vous n'arrêtez pas de mettre l'accent sur ces deux choses. Justement, c'est ça même, les deux colonnes sur lesquelles repose la Pâque. Mm. D'abord, la mort. La mort, nous voyons déjà le sang qui est versé. Okay. Le sang qui est versé, ça nous donne plusieurs choses, mais je peux en énumérer deux, même trois, qui sont majeures. Premièrement, c'est que le sang qui est versé permet au Seigneur de pardonner nos péchés. Okay. La première des choses qu'il faut vraiment retenir, c'est que par le sang versé, nos péchés sont pardonnés. Nous avons la rémission de nos péchés. Je vous arrête d'abord là. Mm. Je retourne. Je suis dans l'Ancienne Alliance. Mm. Je suis dans l'Ancien Testament. Mm. Nos péchés ont toujours été pardonnés. Mm. Je vois les sacrificateurs qui allaient pour offrir, qui allaient nous représenter auprès du Père. Ils amenaient également les sangs. Ils entraient dans les lieux très saints pour présenter ces sangs. Donc ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau, pasteur. Et si rapidement, même quelqu'un, je ne sais pas si ça me dérange, par exemple, est-ce qu'on peut m'amener ma Bible rapidement? S'il y en a, ramenez-moi ma Bible rapidement. Mais écoutez, je suis en train de venir, je crois que je vais même à un moment tomber par là.
C'est-à-dire que déjà, si on doit parler de cette histoire, déjà de l'ancienne alliance, vous allez vous rappeler qu'il s'agissait du sang des taureaux, du sang des boucs. Et la Bible est claire dessus, Maman Dorcas, quand elle dit le sang des taureaux et même ceux de boucs n'ont pas suffi. Ça n'a fait que couvrir nos péchés. Un seul sacrifice a été agréé du Père sur le sacrifice de Jésus. Le sang de Jésus, quand il a coulé à la croix, ça a permis au Père d'oublier nos péchés. Et c'est ce qu'on appelle même l'expiation du péché. Déjà, ça m'amène au deuxième bénéfice que j'allais appeler comme la réconciliation. Parce qu'au-delà de nous pardonner, ça nous donne la réconciliation avec le Père. Je vais d'abord, très rapidement, je vais revenir sur cette histoire de sacrificateur. Vous allez vous rappeler que Joseph se retrouve en prison. Ils sont toujours dans l'ancienne alliance. Joseph se retrouve en prison. Et compare la providence du Seigneur, il trouve aussi d'autres prisonniers là-bas qui étaient arrêtés. Lui était innocent, justement. Mais il trouve d'autres qui étaient là-bas suite à leur forfait. On parle du panetier, on parle de l'échanson. Okay. L'un qui servait le vin au roi et l'autre qui servait le pain au roi. Et toutes ces deux personnes ont eu simultanément deux songes. Chacun un songe. L'autre dit à Joseph, écoute, j'ai eu un songe aujourd'hui pendant que j'étais en train de presser le raisin. Et j'ai vu le roi qui est en train de prendre ce vin, en train de se réjouir. Rappelez-vous de l'interprétation de Joseph. Il lui dit, ah oui, je vois. Exactement, en 3 jours, toi, tu seras réhabilité. Et l'autre aussi, croyant que, ah, comme l'autre va être réhabilité, sûrement moi aussi je vais être réhabilité. Moi aussi j'ai eu un songe, chose qui était vraie. Dans 3 jours, justement, j'avais des paniers sur ma tête. Et après, à celui-là, Joseph dira, non, par contre, toi, dans 3 jours, ta tête sera coupée de dessus de toi. C'est l'image de Christ, justement. Les pains, on doit les couper. Les pains, on doit les rompre. Mais les chansons, lui, pendant qu'il est en train de presser, quand le sang coule, ça permet à ce qu'il y ait réconciliation. Amen. Et 3 jours après, les chansons ont été réhabilitées. Il en est de même avec nous. Quand le sang de l'agneau a coulé sur la croix, nous avons rémission, nous avons l'expiation de nos péchés et ça nous amène à la réconciliation. Et parce que vous parlez de sacrificateur, je vais nous lire un verset de la Bible qui me vient très rapidement comme ça dans mon esprit, parce que vous parlez de cela. Ça va nous amener à d'autres bénéfices ou retombées. Je suis dans Luc, maman Dorcas. Au chapitre 23e, nous allons prendre 3 versets, même 4. Et je commence à partir de 44, voilà, si je ne m'abuse, voilà, je suis là. La Bible déclare ceci, Luc 23, le verset 44, et nous serons en train de descendre. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Maman Dorcas, de la 6e à la 9e heure, nous retenons qu'il y a 3 heures d'intervalle. Okay. Et ces ténèbres ont existé sur toute la surface de la terre, pendant 3 heures. Amen. Amen. La Bible déclare, le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par les milieux. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » En disant ces paroles, il expira. Le verset 47, « Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement, cet homme était juste. » J'aime d'abord, quand la Bible déclare au verset 40, il dit, « Jésus s'écria d'une voix forte, après il dit, « Père, j'ai aimé mon esprit entre tes mains. » J'ai aimé ça quand vous avez dit dans votre introduction, « Lui-même qui est mort, je n'ai pas fait une lettre, justement Jésus est mort lui-même, de lui-même. » C'était volontiers, Maman Dorcas. Rappelez-vous que, Jésus à la croix, j'aimerais attirer l'attention de tout le monde, ce ne sont pas les clous qui l'ont tué. Ce n'est pas la croix qui a tué Jésus. Okay. La Bible est claire dessus, il dit, Père, j'ai aimé mon esprit, c'est volontiers, c'est volontaire. Il dit, j'ai aimé mon esprit. Mais les clous l'ont quand même retenu à la croix. Les clous ne l'ont pas vraiment retenu à la croix parce qu'il était à cette croix cloué, mais il était toujours vivant. Vous savez, si Jésus n'avait pas prononcé ce genre de paroles, Maman Dorcas, je vous dis, les gens allaient revenir une semaine après les trouver vivants. Les gens allaient revenir un an après. On trouve l'homme qui était comme ça. Change de position.
C'est lui-même, c'est volontiers. Mm. Jésus s'est donné lui-même. Amen. Je vais encore plus loin. D'abord, réfléchissons un peu. Rappelez-vous que Jésus était fils du charpentier. Il faisait, c'est-à-dire la commande, on ne commandait pas seulement les armoires et les chaises, on ne commandait pas seulement les lits en bois. C'est-à-dire, chez Joseph, là, il y avait des bons de commande qui étaient faits aussi pour les croix. Parce qu'en Israël, okay, chez les Juifs, c'était des coutumes. Okay. Quand vous êtes pécheur, on peut vous pendre, okay, sur le bois. Vous voyez ça. Rappelez-vous d'ailleurs que Jésus a été pendu entre deux brigands. Mm. Vous voyez ça? Donc c'était une habitude, c'était une coutume des Juifs. C'est-à-dire quand vous avez commis un forfait, on peut vous pendre. Vous voyez ça? Les deux autres brigands ont trouvé leur croix sur Golgotha. Mais Jésus lui-même a porté sa croix, vous savez ça? C'est-à-dire que... Je suis d'accord, je suis en train d'aller mourir là-bas. C'est-à-dire que Jésus visait le salut des hommes. Amen. C'est-à-dire que face au salut des hommes, le Christ n'a pas calculé des fois. Face au salut des hommes, le Christ n'a pas réfléchi. C'est-à-dire, la Bible dit même qu'il n'a pas regardé comme proie à arracher le fait qu'il était égal à Dieu. Mm. Il s'est rabaissé jusqu'à la mort. Quelle mort? Jusqu'à la mort de la croix. Mais cette mort si honteuse, cette mort qui était réservée aux brigands, comme vous l'avez dit, aux voleurs, aux, si on était à cette époque, on allait dire aux Kuluna, aux, je ne sais pas moi. Mais pourquoi seulement cette mort? Justement, c'est ça, maman. Maman Dorcas, ça s'appelle en français la substitution. Ok. La substitution, vous voyez ça. C'est-à-dire que Jésus, du juste qu'il était, il s'est substitué à la place de nous tous pécheurs ici. C'est pour que nous ayons la justice de Dieu et que lui porte notre péché. Ésaïe 53 le dit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mmh. Vous voyez ça. Et regardez d'ailleurs même ce qui se passe au verset 47 que je lis tout à l'heure. Les centeniers, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et il fait une déclaration. Mmh. Il dit, certainement cet homme est quoi? Était juste. Ah oui, maman Dorcas. C'est-à-dire, c'est les justes qui meurent sur la croix. C'est les justes qui meurent sur la croix. Regardez encore autre chose, maman Dorcas. C'est-à-dire, la mort de Jésus, quand vous regardez la croix, il y a plusieurs événements qui se sont succédés là-bas. Se sont succédés là-bas. C'est vrai, c'était quand même une honte. C'est justement, c'était une manière pour le Christ de prendre sur lui la honte qui était la nôtre. Mm. Une manière pour le Christ de prendre sur nous les souffrances qui étaient les nôtres pour que nous ayons justement la vie. Vous voyez. Et autre chose, pendant que Jésus est en train d'expirer, pendant 3 heures, il y a eu des ténèbres sur la surface de la terre. Quelle mort extraordinaire. Trouvez-vous ça normal? C'est qui cet homme qui meurt? Il y a ténèbres sur toute la surface de la terre. C'est une mort pas comme toutes les autres, maman Dorcas. Pas comme toutes les autres. 3 heures, synonyme de 3 jours après lesquels il allait ressusciter. Il a dit d'ailleurs, ce temple, je peux le détruire. Mmh. Et en 3 jours, je vais le reconstruire. Les gens autour de lui ne savaient pas qu'il était en train de parler de lui-même, de son corps. Vous voyez. Et quand il expire, j'explique le pourquoi de ces ténèbres. Il y a des versions qui disent, ici on dit quoi au 45? Les soleils s'obscurcit et les voies du temple, je vais arriver au voile. Les soleils s'obscurcit, mais il y a des versions qui disent, les soleils s'enfuient. Vous voyez ça? C'est-à-dire que le soleil n'a pas pu supporter voir le plus grand astre expirer. Et même quand il s'enfuit, il y a le ténèbre. On ne parle pas de l'éclipse, maman Dorcas. Mm. Ici, c'est le ténèbre. Parce que l'éclipse, par moment, je peux voir maman Dorcas. Mais dans le ténèbre, par moment, je ne peux pas voir tout maman Dorcas. Tout est noir. Dorcas. Tout est noir. Mais ce qui est bizarre, quand ça fait noir, le soleil, plutôt, les étoiles apparaissent. Mais comment les étoiles n'apparaissent pas? Même les étoiles aussi ne pouvaient pas apparaître. Parce que c'était le plus grand astre qui expirait. C'est-à-dire, si le soleil est grand, il y a au-dessus du soleil celui qui s'appelle le soleil de la justice. Amen. Si l'étoile est grande, il y a au-dessus d'elle celui qui s'appelle l'étoile brillante du matin. Amen. C'était une mort extraordinaire. Mais en même temps, il y avait tout un travail qui devait se faire dans le séjour des morts. C'est-à-dire quand le Christ descend là-bas, il avait un travail. Si Jésus n'était pas descendu là-bas, les Abraham, les Moïse et les autres, ils allaient être dans les oubliettes. Vous voyez comment le plan du salut, le plan merveilleux de Dieu autour du salut est merveilleux. C'est-à-dire le sacrifice de Christ n'est pas seulement pour les contemporains, et même ceux qui nous ont précédés, il est allé là-bas, il a fait un travail, il a ravi la clé du séjour de mort entre les mains du diable, il en détient. Et il est à la droite du Père, celui qui règne. C'est-à-dire, Jésus n'est pas Seigneur que sur la terre. La Bible dit quoi? C'est-à-dire, en son nom, tout genou fléchit. Vous voyez, dans les cieux, c'est-à-dire, chez les anges là-bas, Jésus est Seigneur.
sur la terre, chez nous ici, Jésus est Seigneur. Et même sous la terre, chez les esprits méchants, chez les démons là-bas, chez les morts, Jésus est Seigneur. Vous voyez, j'étais étonné de voir un pasteur qui me dit, pasteur, une fois j'étais en train de passer devant un cimetière, donc il me teme, mais tu es là, tu es au poète, les kingdoms, on a beaucoup de cimetières, donc il me dit, tu es là, tu es là, tu es là, parce que même les cimetières, ils sont à mon compte. Amen. Amen. Vous voyez ça? C'est-à-dire que c'était une mort extraordinaire. Mais ça ne suffit pas que de parler de la mort. Mm. Mais la cerise sur le gâteau, Maman Dorcas, c'est la résurrection, Dieu! Avant d'aller à la résurrection, moi j'ai quand même une question. Pendant que vous parlez, j'étais en train de m'interpeller, de me poser, de me questionner, de me poser cette question. Mm. Qui suis-je finalement pour mériter la mort, pour qu'un roi puisse mourir pour moi? Qui suis-je? Ah, merci beaucoup. Maman Dorcas, c'est pour que nous comprenions quelle valeur nous avons aux yeux du Seigneur. David l'a dit, d'abord il y a deux reprises, il dit premièrement, je suis une si merveilleuse créature, de toutes les créatures du Seigneur. L'homme est là, est une merveille. D'abord la preuve c'est que Dieu n'a pas fait l'arbre à son image, Dieu n'a pas fait une chèvre à son image. Arrivé autour de l'homme, Dieu dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu était prêt à donner tout de lui pour le salut de l'homme. C'est-à-dire, nous valons beaucoup devant le Seigneur. Quand je parlais de la réconciliation j'avais promis de revenir avant d'aller à l'étape la de la résurrection. C'est-à-dire, je parlais de la réconciliation. Je parlais de les chansons tout à l'heure qui étaient justement une image de la réconciliation que nous procure les sang versés à la croix. Et c'est comme cela maintenant que vous voyez, que vous verrez au chapitre, au verset 46, la Bible déclare, après s'être crié d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains, la Bible déclare, en disant cela, il expira. Et avant même cela, le soleil s'obscurcit et les voiles du temple se déchira. Oh, Maman Dorcas, ça c'est extraordinaire. Rappelez-vous que le tabernacle était là, il y avait compartimenté, c'était le parvis d'une part, la cour, il y avait tout le monde, il y avait le lieu saint. Mais il y avait aussi le saint des saints, le lieu très saint. C'est-à-dire, c'était supposé. Le sacrificateur là qui entrait, c'est-à-dire, il entrait une fois l'an. Maman Dorcas, quelle méchanceté. C'est-à-dire que même Bezalel, qui est un des architectes intelligents que Dieu avait oint pour la construction du tabernacle, n'avait pas accès dans son ouvrage. Vous voyez déjà ça. Il y avait déjà une sorte de discrimination. C'est-à-dire, les sacrificateurs, les souverains qui entrent là, ils entrent une fois l'an. C'est-à-dire que si on a un problème, c'est-à-dire que Mawanayo. Ah oui, on a un problème, communiquer très important. Bokoto, parce que dans le côté déjà. Oui, il y a un problème. Bon, il y a un problème déjà. Vous voyez. Donc, c'est-à-dire, il y avait déjà une sorte de discrimination. Mais quand le Christ expire à la croix, Maman Dorcas, la Bible déclare, ce voile se déchira du milieu. Et il y a une précision que Matthieu lui apporte, il dit, de haut en bas. Pourquoi ça devait se déchirer de haut en bas? Partant de haut, pourquoi? Parce que celui qui les déchire, il est en haut. Amen. Ah oui, parce que celui qui les déchire, il est en haut. Et c'est rideau-là, il faut lire Exode pour voir la composition du tabernacle. Dieu était tellement dans les détails. C'est-à-dire que ça pouvait avoir l'épaisseur de cette moquette, même doublée par 3-4. Ce n'était pas un rideau qu'on pouvait déchirer comme ça. Même les ciseaux, il fallait vraiment qu'on nous appelait un miné pour bien le faire. Mais une puissance est descendue du ciel pour déchirer ce rideau. Et depuis lors, nous avons accès au Père. Et Maman Dorcas, il y a des choses qui se cachent dans le fait que nous avons accès au Père. Ça fait quand on entre dans... Quand on appelle ça les lieux très saints, on dit le Saint des Saints. Vous savez ce que ça veut dire, le Saint des Saints? Le Saint des Saints veut tout simplement dire les lieux saints du Dieu Saint. Okay. C'est-à-dire Dieu résidait là-bas. Dieu n'était pas dans le parvis, Dieu n'était pas dans le lieu saint, il était dans le saint de saint, dans le lieu très saint. Et là-bas, personne n'avait accès. Et quand les voiles se déchirent, désormais nous avons accès. Et qui nous donne accès? C'est Jésus. Amen. C'est Jésus qui vient inaugurer une nouvelle saison dans la vie de quiconque croit en lui. Et depuis lors, nous avons accès. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Qu'un prophète ne vienne pas nous dire, non, c'est moi l'intermédiaire. Il n'y en a pas depuis lors. Okay. C'est-à-dire, nous avons accès. Et quand on entre chez le Père, on le voit de face. Okay. Ah oui, on les voit vraiment de face. On ne voit plus le dos comme parle Moïse. Avec lui directement. Ah oui, on ne voit plus le dos comme Moïse autrefois. Or, quand on voit la face, c'est-à-dire la Bible déclare quand nous avons nos regards tournés vers lui, nos visages ne sont pas couverts de honte. Par contre, ça rayonne de Amen. Joie.
Moïse a vu le dos, il n'a pas vu la face. Tous ces gens-là, d'autres fois, ont vu le dos. Et même, il y a encore une vraie révélation qui monte à l'esprit. Vous voyez, quand Dieu dit à Moïse, je vais te cacher dans les creux, et quand tu me verras passer, qui peut passer? Que celui qui vient de quelque part vers quelque part d'autre. Vous voyez? Et très vite, une fois, j'étais en train de réfléchir, je comprends que le Seigneur était en train de faire un mouvement. Il quittait vers une alliance, vers une autre. Il quittait vers l'ancienne alliance, vers la nouvelle alliance. Parce que Jésus a existé dans l'ancienne alliance. Et c'est comme ça qu'il dirait même, avant qu'Abraham ne soit moi, je suis déjà. Vous voyez, il était là avec eux, mais seulement il ne s'était pas encore révélé. Pendant ce mouvement-là, Moïse devait le voir de dos. Mais nous, dans cette nouvelle alliance, nous les voyons de face. Face à face. L'accès est libre. L'accès est libre, maman Dorcas, je vous dis, il n'y a aucune obstruction, il n'y a aucune barrière. C'est-à-dire, le matin, je peux l'invoquer. C'est comme ça, Jérémie dit, invoque-moi, je te répondrai. Je peux l'invoquer même en bus, dans un bus. Je peux l'invoquer dans une salle de classe. Je peux l'invoquer alors que tout est sombre. À n'importe quel moment. À n'importe quel moment, je l'invoque. Jonas l'a invoqué dans le ventre du poisson. Il l'a invoqué, il est descendu là-bas. Là-bas, il descend. Vous voyez. Rappelez-vous qu'il est descendu dans la fournaise ardente. Il est descendu dans la fosse aux lions. Il est même descendu dans la tombe de Lazare. Où est-ce qu'il ne peut pas descendre? C'est-à-dire, l'accès est libre depuis là. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Parce que s'il faut, en plein 21e siècle, avec ce que nous vivons sur la terre, s'il fallait attendre... que les souverains sacrificateurs entrent. Une fois l'an, ça allait être compliqué. Ça allait être compliqué. Jésus, merci. Alors, nous passons de la mort à la résurrection. Oh, la résurrection, c'est la cerise sur les gâteaux, comme j'étais en train de dire. J'aime ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, le verset 17. Je ne sais pas si on peut lire ça rapidement. On peut lire. Vous pouvez lire également chez vous à la maison. Je vais également lire justement 1 Corinthiens, chapitre 15. Le verset 17, je pense. Ah, voilà. La Bible dit ceci. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. C'est-à-dire que le premier de bénéfice que nous octroie la résurrection de Jésus, c'est que la résurrection de Jésus donne sens à notre foi. Parce que, maman Dorcas, si le Christ n'était pas ressuscité, réfléchissons, en quoi est-ce que la mort de Jésus allait être différente de toutes les autres morts? Et d'ailleurs, c'est là même que le débat est clos vis-à-vis de nos amis des différentes religions qui pensent que leur leader serait ceci, leur leader serait cela. Vous voyez, la seule question, de qui d'entre vous, tous ces leaders-là, est ressuscité? Tous, ils sont encore dans leur tombe. Le seul qui est mort et ressuscité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ça? Il est mort et il est ressuscité. Vous savez, il y a une des phrases de Mahomet, avec tous mes respects possibles. Il dit, à la fin de ce jour, il dit, je ne sais même pas moi-même, je ne connais même pas moi-même l'essence de la vie. Et Bouddha, vous savez, avant qu'il ne meure, une déclaration qu'il a faite. Bouddha dira à son tour, cherchez la vérité. Ça, c'est Bouddha qui dit ça. Confucius que vous voyez ici, un des plus grands philosophes, il y avait des gens qui croyaient tellement en lui. C'était un homme sage de son temps. Dans un de ses récits, il dit, je ne suis pas le chemin. Vous voyez ça? Mais notre Jésus, il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Vous voyez ça? Donc, ça dit que la première des choses que Jésus nous donne par sa résurrection, c'est qu'il donne sens à notre foi. Amen. Parce qu'en d'autres temps, en d'autres termes, nous serions des personnes qui seraient en train d'invoquer le Seigneur, mais les têtes courbées. Il a dit qu'il allait ressusciter, mais qu'est-ce qui se passe? Il a parlé de 3 jours, mon année déjà à des millénaires, qu'est-ce qu'il y a? Têtes courbées.
C'est-à-dire la chose qui me permet aujourd'hui de vous regarder en face, maman, Dorcas, vous parlez. Avec un peu de Majunda. Avec de Majunda. Mm. C'est tout simplement parce que cet homme n'est plus dans les tombeaux. Amen. Et même ceux qui vont en tourisme en Israël attestent, ils vous disent que les tombeaux sont réellement vides. Amen. Vous voyez ça? Ça donne sens à notre foi. C'est-à-dire que ça fait même du christianisme, si on doit prendre ça comme une religion, bon, prenons ça en parenthèse comme une religion. Mm. La religion la plus noble, la plus fiable même, nous avons intérêt de suivre le Christ. Mais deuxièmement, autre chose pour ne pas perdre beaucoup de temps, autre chose que nous procure la résurrection de Jésus, c'est que la résurrection de Jésus nous communique également à nous qui croyons en lui la puissance de la résurrection. Amen. Parce que le monde croit à ces trois principes, c'est que le principe de la naissance, le principe de la vie, c'est-à-dire on est, le principe de la naissance, de la vie, mais aussi de la mort. C'est-à-dire pour le monde, on est, on vit, on meurt. Mm. Mais il y a un quatrième principe que seul Dieu nous réserve, c'est la résurrection. Amen. C'est-à-dire que même après être mort, on peut ressusciter dans le Seigneur. Et regardez quand le Christ ressuscite. La Bible déclare dans Matthieu que les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs morts, plusieurs corps qui étaient morts, ressuscitèrent. Vous voyez, maman Dorcas, c'est-à-dire que la mort de Jésus nous procure la résurrection. Amen. C'est comme ça que je suis en train de déclarer au nom de Jésus que ceux qui étaient déjà morts dans la vie de quelqu'un sont en train de reprendre vie. Amen. Au cours du fait que nous sommes pendant ces mois, ces semaines en train de célébrer la Pâque, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus. C'est comme ça qu'un frère a chanté « Lilita etikalipo lele Masia, yes, ça ne suffit pas. J'aime ce que je suis maintenant. Oyonyoso, yanga eku faki, esekui. Amen. Hello. Ça, c'est le plus grand cadeau que nous procure la résurrection de Jésus. Et nous connaissons ce frère qui a chanté ces chants, mais pour aujourd'hui, on ne va pas lui demander de les chanter. Ok. Puisque j'ai la grâce de choisir les cantiques dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Mesdames et messieurs, après avoir écouté, après avoir compris les bénéfices de l'œuvre de la croix ou encore de la Pâque, parce que lorsque nous parlons de la Pâque, comme le pasteur l'a dit, nous voyons la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons lui dire merci? C'est un petit mot. Un tout petit mot, mais des fois c'est difficile. On a du mal à le dire, à le prononcer, j'allais dire à remercier. En tout cas, ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, dans ta grandeur, nous allons le faire ensemble avec Shekinah Music et le pasteur Mike Kalambay. Disons merci à Dieu. Oh. Gazaye matondo, matondo. Bakisa lisusu, matondo. Ale, bisanyo so antolo ba matondo, matondo. Ah, bisanyo so bakisa lisusu, matondo. Music, hey. J'entends quelqu'un qui pousse des cris de joie. Est-ce que ça
Sali obola mwebele. Escopesa ta merci a pambe. Sali obola mwebele. Escolobia ta merci a pambe. Ah, kasi pesa ye matondo. Ah, bisonyo sa tolobali susu. Kuna nandako lobela nga matondo ale abisonyo so tolo bali susu mususu ya wana na papudo na mutu na tuni bayebi singa ya long na minerva na pasi si la busi ya pasi bakisela yo ya wana long makonzo pese diplome Monetike alonge, bamingi bagatani alonge, nangolu, nangolu, matondo, ale ale, bisonyoso, toloba matondo, ah awa, bakisali susu, ale kuna nasuka, tolobeli matondo, ale bisonyoso, toloba matondo. Allez, Shakira music. Betana no mololo. Ma santi, toi ça qui dit là. Je n'ai pas prié, mon Jésus, tu me fais du bien. Comme je n'ai pas été merci à celui qui est tout pour moi. Alors voici ma reconnaissance. Zelo ebeleo nga ko na chote experience kutu kolobateo na situ kaboye promotion bayamana matiba nivoye komiti ba change na biro enana matiba rade ngbadu mena kombo ebimi na journal officiel na peso matondo. Allez, abisonyo so antolo bali susu. Matono, allez, bagisa bali susu. Ah, oh ya ya ya. Sali obola mwebele. Ibana lo bata, thank you papa. Oh. Sali obola mwebele to. Ibana lo bata, thank you papa. Oh. Sali amigi to decidere lo to me. Matondo, moto kufela na ekulusu, asongi selio matondo. Kayo yo balinga kibakunda vivo, na peso matondo. Papa opakulinga mafuta no asiga tala na dalili susu. Opakulinga mafuta no asiga tala na dalili susu. Hey, wana na 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 na, wana na 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 na, imasiya umamelelele. Papa, on est dans ma foutre, on a si bien, t'as la main, on est dans ma foutre.
mafutano asikatala na dalili susu. Oh, ma parole na mafutano asikatala na dalili susu. Matono. Matondo, hein, matondo, hein? Et d'ailleurs, maman Dorcas, j'aimerais... Non, j'aime bien cette chanson. Ah, gloire à Dieu. Matondo. Matondo. Mais non, mais ça, c'est une bonne attitude, vous savez. C'est toute une prière, hein. On n'a pas besoin de multiplier le mot. Mm. Juste dire merci. Mm. Juste être reconnaissant. Mm. On n'a pas besoin de chasser les démons. Ah oui, non. On n'a pas besoin de chasser, je ne sais pas moi, quel esprit, parce qu'en Afrique, surtout au Congo, il existe des esprits. Hein? Ah oui, il existe tellement des esprits. Et mais avec Matondo, même les démons lui-même, il dit, regarde, je suis en train de bloquer, mais lui, il continue à dire Matondo. Et vous savez, maman, il y a une particularité dans Matondo, c'est-à-dire que le message dans Matondo, c'est-à-dire que Matondo peut régler la question des démons sans que vous n'ayez fait mention de ça. Vous voyez ça? C'est-à-dire dans Matondo se cache une puissance qui ouvre le ciel à notre faveur sans que beaucoup ne le savent. Rappelez-vous que devant la tombe de Lazare, Jésus est Dieu. Il peut ressusciter Lazare. Il dit Lazare, sort et sort. Mais Jésus connaissant les principes. Ça rapprochait un peu les Ah oui. Voilà. C'est-à-dire que devant la tombe de Lazare, il pouvait ressusciter Lazare sans passer par quatre chemins. Mais connaissant le principe, la Bible dit, il rendit d'abord grâce. Rappelez-vous que les multiplicateurs, hein, comme ça, 5 pains et 2 poissons entre ses mains, il pouvait les multiplier, mais comme ça, par un petit bout, un claquement de main. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il rend grâce. C'est-à-dire, en d'autres termes, Jésus connaissant le principe, c'est-à-dire quand vous ne rendez pas grâce, même la multiplication peut être compromise. Hein, vous voyez ça? Et je crois que ça doit être normalement une bonne attitude, d'ailleurs, oui, que devrait cultiver tout enfant de Dieu. Par moment, tu te réveilles le matin, tu dis merci. Tu es devant une situation qui t'a fait pleurer, mais tu vas à genoux. Les chrétiens se plaignent trop. Hein, les chrétiens ne font pas attention à ce qu'ils ont. Ils font beaucoup plus attention à ce qu'ils n'ont pas encore. Et ils passent leur temps à se plaindre. Mais avec la chanson Matondo, on comprend. Maman Dorcas, vous savez quand vous dites... Vous savez quand vous dites... Matondo. Il y a quelque chose qui passe dans mon esprit quand vous dites... Ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Non, on se plaint trop. Pour ce qu'on n'a pas. Rappelez-vous que l'enfant Isaac est avec le père. Ils sont en train d'aller adorer. J'aime l'attitude d'Isaac. C'est justement même toute une attitude de reconnaissance. Il dit à l'enfant, mais, il dit au père, mais père, je vois le bois, je vois le feu, mais le sacrifice lui-même, il est où? Mais chez les chrétiens, même quand on a le bois, on n'accepte pas qu'on a le bois. On se contente du gibier de l'agneau qu'on n'a pas, vous voyez. Mais je pense que c'est en reconnaissant les bois et le feu que le père dispose les gibiers. Vous voyez ça? Ça devrait être comme ça notre attitude. C'est ça même Dieu en toutes circonstances. Ah, Matondo, si ça ne dépendait que de moi, on pouvait rester ici et continuer avec décortiquer la chanson Matondo. Ah. Mais malheureusement, ça ne dépend pas de moi. Apprenons à dire merci à Dieu. Même pour ce que tu n'as pas encore vu. Amen. Crois. Crois que tu l'auras. Et j'ai aimé, hein? Comme bimina journal officiel Officiel Nazu grade. Amen. Ce n'est pas passé par l'intervention humaine. Non. Non, non. Sans relation. Expérience coûte zéro. Pasteur, est-ce que je peux perdre toutes ces choses que j'ai gagnées avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ? Ah, Maman Dorcas, quelle question qui est sujet de beaucoup de débats. Les amis, ça, c'est un piège, hein? Grace, ça, c'est un piège. Non, mais écoutez. Non, non, mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui se donne par le Seigneur, Maman Dorcas, est durable. OK. Ah oui. Ce que Dieu donne, c'est durable. Amen. Ça ne peut pas nous être volé par qui que ce soit. Mais il y a un principe que j'aimerais partager avec tous ceux qui vont nous suivre. Et ça, il faudra vraiment le retenir. Maman Dorcas, il a donné son fils unique afin que quiconque croit
ne périsse pas, n'est-ce pas? Écoutez, ça dit que ça s'octroie au moyen de la foi. Parce qu'on dit, il a donné son fils afin que quiconque croit. J'aimerais partager ce principe. Tout ce qui s'obtient par la foi se conserve par la foi. Amen. Rassurez-vous que chaque jour qui passe, tu ne fasses pas naufrage par rapport à la foi. Et quand le Christ reviendra, la Bible déclare, trouvera-t-il la foi? Papa, maman, ton cas, Dieu ne pose pas la question s'il va trouver un beau bâtiment comme Madjabou nous en a donné, mon Dieu, que Dieu bénisse Madjabou. Amen. Dieu ne pose pas la question de savoir, le fils de l'homme trouvera-t-il des jupes 4x4 sur terre? Il n'a que faire de ça, mon Dieu. Le fils de l'homme, à son avènement, met l'accent sur la foi. Ce qui s'obtient par la foi se garde, se conserve par la foi. Regardez votre caméra. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu nous as écoutés, je me permets de te tutoyer parce que je te vois déjà comme mon frère, comme ma sœur, donc je me le permets. Le pasteur Mike va t'aider à faire ton entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Nous allons faire l'appel au salut. Toi qui as cru, tu as entendu le bénéfice, tu as compris que Christ est mort à la croix pour toi et moi. Ce n'est pas par rapport à une race, ce n'est pas par rapport à une couleur de la peau, non. Quiconque. Toi, tu es dans les quiconques là, parce que moi, j'ai déjà cru. Alors, tu viens de le faire, l'homme de Dieu va t'aider à faire ton entrée dans la grande famille des enfants de Dieu, pasteur Mike. Regardez votre caméra. Merci beaucoup, c'est laquelle? C'est celle-là. Merci beaucoup, Lindel, je suis avec toi. Alors, merci beaucoup, Maman Dorcas, pour cette étape de cette émission, à mon avis, la plus importante de tous. Vous savez, tout ce que nous faisons, c'est avec un objectif, celui d'impacter, sinon édifier quelqu'un. Et l'édification commence même par là, la nouvelle naissance là, dans le Seigneur. Mais écoutez, vous qui nous suivez, chers frères et sœurs, ça veut dire qu'il ne suffit pas, en matière de foi, il ne suffit pas de croire du cœur, mais il y a un deuxième aspect qui est celui de confesser par la bouche. Je sais que vous êtes là-bas, chez vous à la maison, vous êtes en train de suivre sur YouTube, ici à B1 Télévision, vous êtes tous coachés, vous êtes tous branchés. Mais je veux vraiment te demander de répéter ces peu de phrases juste après moi. Après quoi, je vais prier pour toi. Est-ce que tu peux fermer tes yeux, s'il te plaît? Dis après moi ceci. Dis, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, me voici, tel que je suis. Après avoir écouté ce peu de paroles, je prends la résolution, consciencieusement, de te donner ma vie et faire de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je donne dos au monde, à ses plaisirs et au diable. Désormais, je déclare de ma bouche que j'appartiens à la grande famille des enfants de Dieu. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui prennent cette bonne décision, qui ne regretteront mais plus jamais. Je crois que plusieurs de grandes personnes qui ont excellé avec toi ont un jour passé par cette étape. Et tu as fait de référence pour leur génération. Ainsi, je déclare que c'est une décision que personne d'entre eux ne pourra regretter après. Père, je te les confie entre tes saintes et belles mains. Merci de prendre collectivement soin d'eux, mais aussi individuellement. Seigneur, veille sur leurs âmes, que le diable ne les récupère plus après. Qu'ils appartiennent, et cela pour toujours, à cette famille des enfants de Dieu à laquelle ils font déjà part. Cher Saint-Esprit de Dieu, merci de t'occuper de tout un chacun d'eux dans leur croissance. Leurs âmes, esprit et corps sont désormais dédiés à toi. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Pour finir, je veux vous recommander, s'il vous plaît, je ne sais pas où vous êtes, je sais que vous êtes en train de nous suivre de plusieurs coins du monde. Cherchez une bonne église où Jésus est prêché.
une bonne église. Comprenez ce que je suis en train de dire par une bonne église. Je crois que le Saint-Esprit va vous guider dans cela. Faites partie d'une église. Ça vous aura permis de justement grandir dans votre foi. Vous voyez cela. Mais si vous êtes à Kinshasa, je me permets déjà, par cette occasion que nous offre Biwan et Maman Dorcas, de vous tendre la main. Si vous pouvez nous rejoindre dans sa présence, Church, 6 avenue Kalembelembe 160, dans la commune de Kinshasa. Et comme référence, c'est les ronds-points des Huileries. Quand vous êtes sur les ronds-points des Huileries, vous demandez l'église dans sa présence, Church. Ou carrément, vous demandez même l'église de Pasteur Mac. Si vous voulez, on va vous conduire. Par la grâce de Dieu, nous sommes une très bonne église et nous avons Jésus au centre de toutes nos activités, de notre message également. Nous prêchons et vivons le message du royaume. De loin, vous ne le sentirez pas. Mais je prie que pendant que je suis en train de vous parler, un désir de nous rejoindre cette grande famille, soit en train de naître dans vos cœurs, vous ne le regretterez pas. Là-bas, nous avons une très bonne chorale, nous avons une bonne équipe de protocole, nous avons une bonne équipe d'intercesseurs, nous avons ceux qui sont à la technique, à la média, aux médias. Il y a plusieurs pasteurs, nous avons plusieurs pasteurs. Vous retrouverez le pasteur Mike, votre frère. Je suis là, le pasteur Samuel est là, Nkoumou, Berger Alain et plusieurs autres sont là. Venez nombreux, je crois que le Seigneur va vous aider pour votre bonne croissance. Tous, nous savons qu'avec une finalité, d'aller au Père. Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour toutes ces âmes qui viennent d'accepter Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel? C'est un bon choix. C'est une très bonne décision que vous venez de prendre. Il n'y aura pas de regret parce qu'avec Jésus-Christ, on ne regrette pas. Peu importe ce que le monde dira, comment le monde va vous traiter, mais restez focus, n'est-ce pas, sur Jésus-Christ. D'ailleurs, il a son regard sur vous, donc il n'y aura pas de regret. Avec lui, on ne recule pas. On avance. Avec lui, nous allons de gloire en gloire. J'ai lu ici Mike Kalambay, Dieu en toutes circonstances. 12 titres. 12 titres du pasteur Mike Kalambay. Vous avez consulté combien de paroliers? Vous savez, non, mais c'est une réalité qui existe. Vous savez, dans les domaines artistiques, on n'a pas que de compositeurs. Mm. Vous le savez très bien qu'il y a des auteurs, il y a des compositeurs, il y a des interprètes, il y a des arrangeurs, il y a tous ces participants qui ont également ce qu'on appelle des droits voisins, consorts. C'est-à-dire tout ça, c'est réparti. C'est-à-dire quoi, Maman Dorcas? Vous voyez, pendant que je suis en train de parler, je dis bonjour, Maman Dorcas, comment vous allez? Vous allez bien? Je ne suis qu'un auteur. Mais si Maman Dorcas qui reçoit ces paroles peut y coller une mélodie, cette fois-ci-là, qu'est-ce que j'avais dit? Bonjour, Maman Dorcas, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'en suis l'auteur. Mais si Maman Dorcas qui capte les paroles dit, oh, ce sont de belles paroles. Bonjour, Maman Dorcas, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Oh, cette fois-ci-là, Maman Dorcas est le compositeur. Parce qu'il a collé une mélodie à ses paroles que l'auteur Mike avait écrites. Mais après, on se décide tous les deux. On dit non. Ça, il n'y a que Grâce ou Esaïe qui peuvent bien chanter ça. On fait appel à Grâce et Esaïe. Cette fois-là, ce sont des interprètes. On dit non. Pour ça, on doit trouver Hervé Nzambé. Hervé doit nous arranger ses chants. Il est l'arrangeur. On dit non, on appelle Jérémy, Eddie Kabea, Mandjeka, Kevin Mandjeka, on fait appel à Nathan Piano, tout le monde. J'ai oublié l'excellent Mazembe, Hervé Zola. Alors, ce sont des accompagnateurs. Vous voyez un peu tout ça là. Et tous qui viendront, Joël, moi, Vita, Delia, Princesse, Zino et champion pour participer au chœur, tout ça. Ce sont des accompagnateurs. Ça, c'est seulement la réponse à ma question. Ah, c'était déjà une petite réponse à votre question. Donc, vous avez fait tout ça? Vraiment, j'ai vraiment fait tout ça humblement. Okay. Les amis le savent. Je n'ai pas travaillé avec un parolier. D'ailleurs, je n'en ai pas l'habitude. Vous savez, depuis la nuit des temps, je suis auteur et compositeur de mes chansons.
Non, par la grâce de Dieu, bien sûr, mais ça n'empêche pas que les amis hein, donnent les idées. Je reconnais Izzy, tout le monde qui est là, Joël, toute cette équipe-là que vous voyez derrière moi. C'est des grands artistes pour qui j'ai beaucoup de respect. D'ailleurs, vous savez très bien que leurs projets sont en gestation. Déjà, il y a Princesse qui nous a bénis avec la Tomboli. La Tomboli Combo. Aïe, 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 faut écouter ça, mon Dieu. Et grâce, c'est en train de venir. Isaïe, c'est très bientôt. Joël, Zino et aussi Vita, c'est pour très bientôt. Je les respecte énormément. C'est des personnes qui ont apporté des idées. Que dire de Mayombo, Noé? Que dire de Shekinah Piana? Que dire de Izé, David Izé? Que dire du label Madjabou? Non, mais Madjabou, c'est une merveille, je vais vous dire ça comme ça. C'est Madjabou qui est justement le parrain, le producteur de cet album, que quand était en train de me dire, mais c'est collaboration, on peut appeler ça collaboration, mais cette production est exclusivement Madjabou. Parce que je voulais vous poser la question, qui a eu besoin de qui? Lorsque je regarde tous les albums du pasteur Mike, je me dis, qui a eu besoin de qui? Est-ce que c'est Madjabou qui a eu besoin du pasteur Mike ou c'est le pasteur Mike qui a eu besoin du label Madjabou? Je crois que généralement, c'est les malades qui ont besoin du docteur. Ah, c'est vous le malade. Je crois que c'est beaucoup plus moi qui étais dans le besoin. Et autre chose, c'est que maman Dorcas, qu'on se le dise quand même, à cette heure où nous sommes, en cette période où nous sommes, vous savez que c'est un honneur, quel privilège que de se faire accompagner par un si grand label comme Madjabou. Madjabou, je n'arrêterai pas de le dire, c'est la plus belle chose qui soit arrivée au gospel congolais, en République démocratique du Congo. Et même si c'était à refaire, vraiment, on voudrait bien se faire accompagner par Madjabou. Donc, par ce peu de mots, je dis la main sous le cœur. Je témoigne toute ma reconnaissance à Papa Roy et à Maman Mariam, qui sont les visionnaires de ce grand projet, cette grande structure. Donc, c'est avec eux que nous marchons, nous cheminons autour de tout ce projet. Quoi. Ah, Papa John, arrête de me faire signe qu'il est temps. Oh, moi, j'ai encore des questions. Vraiment. Parce que ça n'arrive pas tous les jours de recevoir les pasteurs Mike Alambay. Je refuse de dire ce que j'avais dit autrefois lors d'une conférence de presse, sinon ils risqueraient de m'attaquer encore ici. Ça ne sera pas une bonne chose, n'est-ce pas? J'essaie de voir. Alors, Dieu en toutes circonstances, en 30 secondes, c'est votre vie? C'est vraiment ma vie, je crois que c'est la vie de tout le monde. Beaucoup plus ma vie parce que je suis passé quand même par des moments très compliqués où je commençais à me dire, mais Dieu, il voit ou il ne voit pas. Il existe ou il n'existe pas. Dieu en toutes circonstances, aussi le pourquoi de cela, c'est une recommandation de Dieu reposant sur plusieurs dispositifs quand même, dispositions bibliques. Pasteur, le micro. Voilà, Dieu en toutes circonstances, c'est ma vie comme je le disais. Le pourquoi de cela, ça repose sur plusieurs dispositions bibliques. Ça fait d'ailleurs même toute une recommandation du Seigneur. Vous verrez que la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 18, « Rendez grâce à Dieu en toutes choses. » Mais j'aime le degré, sinon le détail qu'ajoute Paul aux Éphésiens. Il dit « Rendez continuellement. » C'est comme ça qu'on parlait tout à l'heure de Matondo. C'est-à-dire, c'est ça même Dieu en toutes circonstances. C'est-à-dire, cette reconnaissance-là, rendre grâce à Dieu quand ça va et même quand ça ne va pas. Moi, j'ai appris, Maman Mariam, Maman Dorcas, à rendre grâce à Dieu même quand ça n'allait pas. Dur, mais je rendais grâce à Dieu. Mais un autre aspect très rapidement que je voudrais vraiment ajouter à ça, c'est cet aspect artistique où l'artiste a quand même réfléchi et a pensé joindre à ce projet des cantiques avec des profils cadrants avec différentes circonstances de la vie. Vous retrouverez « Je vais l'aimer », c'est un cantique pour le mariage. Vous retrouverez « Pas s'il y a séparation », c'est un cantique pour nos moments des obsèques, de deuil. Mais nous retrouverons également « Happy birthday », justement pour nos moments de naissance. J'étais allé plus loin, mais à un moment, je me suis concentré sur le 3. Ça fait les grandes étapes de la vie de tout homme. On est, on vit, on peut mourir. Ah, mais évidemment, la résurrection, comme j'en ai parlé. Bon, Lilith existe déjà. Lilith existe déjà. Et le dimanche de la Pâque, on a vraiment presque dans toutes les églises hein, qui avaient ces cantiques-là de Lilith. Oh, gloire à Dieu. Lilith et Zapolélé. Alors, nous allons nous arrêter ici parce qu'il y a eu des questions tout autour de cet album que mes confrères, mes consoeurs ont eu à poser lors de la sortie officielle de l'album. Mais où est-ce qu'on peut s'en procurer?
Déjà, vous allez retrouver Dieu en toutes circonstances dans tout le carrefour où la musique chrétienne est vendue. Nous sommes vraiment rassurés ensemble avec le label qu'il est accessible. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, c'était un peu difficile, partout on passait. Mais où les trouver? Je crois que depuis une semaine, nous avons résolu cette question. Mais ça persiste encore au niveau de l'extérieur. Je crois que dans les semaines qui suivent, vous serez vraiment fixés autour des endroits auxquels vous en procurez. Quoi. John. Juste une minute. Je m'arrête vraiment là, avec les questions. À quand la production ou les productions ou les concerts pour savourer cet album? Merci beaucoup pour cette question. Et merci à Papa John pour sa largesse. Maman Dorcas, il se prépare de très grands moments. Okay. Ça va être en premier lieu, ça va être national. Mm-hmm. Nous serons très bientôt à Kolwezi, à Lubumbashi, à Mbujimayi, et pour revenir à Kinshasa. Okay. Dans un grand moment, une grande célébration comme nous avons l'habitude de faire partout ailleurs. Et après, nous allons nous envoler pour d'autres cieux. Nous serons aux États-Unis. Il y a tout un grand programme qui est en train de se ficeler déjà avec mon groupe, équipe. Vraiment. Parce que les leaders, vous avez quand même une manie. Hein, quand il faut aller chanter ailleurs, là, quand c'est Bandundouville, quand c'est Guadolite, quand c'est Gemena, là, on amène le groupe. Mais quand c'est aller aux États-Unis, là, on a vu, ils ont reçu les diplômes. Merci, Pasteur Mike. Maintenant, bah, qu'on s'appelle visa, bah, qu'il n'est pas n'étais une baroque maté. Vous avez fini? Majabou, c'est quand même Majabou. Attends, c'est quand même. Attends, quand c'est pour aller à Gemena, et les instrumentistes, on les amène à Gemena. Vous avez fini? À Bunagana, on amène même ceux qui ont fait le cœur. Mais quand c'est pour aller. Vous avez oublié quelque part. En Europe. Vous avez oublié quelque part. À Minembwe aussi. Là, on amène tous les. Même les caméramen, on les amène. Voilà. Mais quand c'est pour aller, là où ça demande le visa, là, on commence. Oh non, on va prendre seulement l'église qui est là-bas, on va prendre les sœurs et les frères qui sont là. Ils ont déjà commencé à répéter. Bon, répétez-les. On te bakolo banzembu bango. Bango moro baya oyemba. Là, vraiment, j'ai fait ma demande en direct. Vous avez fini? Ah, pasteur. Merci beaucoup. D'été, c'est quoi le problème? Alors... Madame Sarah, manager, c'est quoi le problème? Voilà, je crois que merci beaucoup, c'est arrivé. Je voudrais très rapidement réagir par rapport à ça. Si on vous laisse sur le plan international, on va faire ta grandeur, rien que vous et moi. On va en parler. Non, les leaders ont changé. Vraiment, les leaders, il faut changer. Oh, parce, je ne vais pas citer les noms ici, mais vous allez vous reconnaître. Quand c'est pour aller chanter à Paris, là. Pour ça, là, ma bille. Alors, je veux réagir. Maman Dorcas, je suis vraiment d'avis avec vous. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec cette réalité. Hein. Vraiment, jamais d'accord. Je m'explique. Les amis savent. Bon, tout royo. Tozokende. Merci beaucoup. Mais binope, bon même ça rend gambute bozonga. Non, ça c'est révolu pour cette ouais. Je ne vois personne. Il faut rentrer. Bilo na binoza bano bakenda bazonga. Ne faites pas comme eux. Ta grandeur, n'ayez pas peur, vous aussi. Cette demande de maman Dorcas, elle est à être... Ta grandeur à Paris, je vais vous amener. Ah oui. Je vais vous ça amener. Doit être prise en mais compte. Mais bon, qui m'endette. Elle ne m'a pas permis de réagir. Non, elle non, a dit non, que je dise non. Carrément, cette fois-ci, vous, on va aller. Oui, okay. Amenez seulement, ils vont rentrer. À vos ordres, maman. C'est quand même le label Majab. Ou... Absolument. Ça tombe bien dans les oreilles des... Qu'est-ce que même pasteur Roy et qui de droit. D'été la pointe. Dernière question. J'avais dit dernière déjà. Vous avez déjà dit ça. Non, la dernière. Au mois d'août, vous serez à Kinshasa. Là, c'est entre vous et moi. Au mois d'août... Probablement. Précisément le 13 août, vous serez à Kinshasa? Probablement, oui. Okay. Quelqu'un peut m'aider à écrire, à noter quelque part le 13 août, ça sera un dimanche. Déjà, je capte ça, le 13 août. Je vous donne l'information. Voilà. Ta grandeur totalise 10 ans. Oh là là. C'est depuis 2013. Ah, je vais être là. Je vais être là. Alors, je me rends compte que dans toutes nos célébrations, les pasteurs oui, Mike... j'avais été absent, je sais. Ah, merci. Ça, je promets. J'aime quand on se complète comme ça. Hein. Mm-hmm. Vous complétez et puis ça passe. 13 août. 10 ans d'état. Les amis, retenez, hein, 13 août. Nous avons une invitation de Maman Dorcas. Ah, on a côté de lui, vous avez un visa.
Alors, ça n'est fini. C'était un réel plaisir de vous recevoir. Vraiment, il y avait encore beaucoup, beaucoup à dire. Ça fait plaisir lorsqu'on est en face d'un homme de Dieu qui connaît la parole. Ça coule. Amen. Il n'y a pas eu de temps mort. J'ai béni l'Éternel pour ça. J'espère qu'il y aura d'autres occasions, d'autres émissions. Amen. Nous allons nous lever. Vous allez nous bénir avec une courte prière. Naponanze mwasuka. Ok. Bisengwa lole. Tozo bine la mokozi. Na langwete. Nga langwete. Est-ce qu'on peut danser? Ça, c'est la paga ici. Ok. Et on pourra danser. Ok. Pourquoi okay. pas? Alors, levons-nous. Faites pareil chez vous à la maison parce que ça n'est fini. Juste le temps pour moi de dire merci à la grande équipe d'État Grandeur. 10 ans, nous allons célébrer. 10 ans, nous allons célébrer la fidélité de ce Dieu qui a marché avec nous et nous comptons sur lui. Moi, je crois en ce Dieu qui a commencé avec nous, qui chemine avec nous, qui va continuer avec nous. Nous célébrons 10 ans. Bientôt, il y aura 20 ans, 50 ans, pourquoi pas. N'est-ce pas, Pasteur Mike? Amen. Bénissez-nous avec une parole et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Seigneur, merci pour ce moment qui sûrement, je crois, a pu apporter édification dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Merci, Seigneur, pour toutes ces paroles, pour tout ce temps d'échange qui aura encore davantage marqué les esprits des uns et des autres. Merci pour ta grandeur, merci pour ta servante, Maman Dorcas, par qui tu n'as pas arrêté de nous faire du bien. J'apprends d'elle tout à l'heure que d'ici 10 ans, Seigneur, aujourd'hui ta grandeur est devenue une grande vitrine, une grande plateforme sur laquelle beaucoup de talents sont exposés et propulsés même. Je prie au nom de Jésus que tu bénisses. Que tu bénisses ta grandeur. Bénis Maman Dorcas également. Que tes faveurs fassent route avec elle. Seigneur, nous aimerions la voir comme ça, aller de l'avant, s'étendre à gauche et à droite. Que ta grandeur devienne ce que nous n'imaginons pas encore. Au nom de Jésus. Parce que tu es celui qui a promis de nous faire des choses, nous donner des choses que l'œil n'a point vu, des choses que l'oreille n'a point entendu. Pire, des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Surprends-nous agréablement et bénis tous ceux qui nous ont suivis. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Yoga bisengwa lola, aun bisengwa lola, lola toko kende, aun bisengwa lola, ofandi na bisika oyele kina likolo, papa ofandi na bisika moto ako tiko kumbada, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. On y va. Dans sa présence,
nago. Tala mabana basime la kinga et ton grand et ton cas. Zamba. Azo sale ou.
Les amis, c'est moi à l'eau là.